الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بالصلاة على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد نوروا وجوهكم بالصلاة على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد مرة أخرى صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد Chers frères, aujourd'hui nous allons ensemble discuter de quelque chose que chacun d'entre nous a besoin et dirais-je pas seulement nous mais l'humain. Chaque humain sur cette terre a besoin de cette chose. C'est une des qualités de l'humain et de l'autre côté, c'est une des faiblesses de l'humain. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Saint-Coran et nous qui sommes les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est encore plus important pour chacun d'entre nous de faire face à cette chose et de l'appliquer dans notre vie. Quelle est cette chose ? Quelle est cette chose qui est tellement importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne cette chose à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je pourrais même changer le mot chose par quelle est cette action que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala demande à son bien-aimé le prophète. Il lui dit Bismillahirrahmanirrahim. Dans le chapitre 51 du Saint-Coran, sourate Dariyat, verset 55, il lui dit Bismillahirrahmanirrahim. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ô mon prophète, rappelle, car le rappel profite aux croyants. Voyez-vous, le fait de rappeler les choses, j'ai dit nous avons une faiblesse et nous avons une qualité. Nous avons une faiblesse et nous avons de l'autre côté une force. Nous devons l'avoir chacun d'entre nous. Si nous oublions, nous avons besoin de cette force dans l'autre partie, dont le devoir n'est quoi ? Le rappel. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, rappelle ! Et c'est tellement profitable à chacun d'entre nous. Quel rappel nous allons faire aujourd'hui ? Allah subhanahu wa ta'ala en parle ici, dirons-nous, généralement à son prophète. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Voyez-vous, le mot rappel, Allah subhanahu wa ta'ala l'utilise souvent dans le Saint-Coran. Et nous sommes aujourd'hui à quelques jours de quelque chose pour lequel je suis bien obligé d'aller vers cette action-là, vers cette chose-là qui s'appelle le rappel. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné le rappel seulement à notre prophète. Il a ordonné aussi le rappel à d'autres prophètes. Et en l'occurrence, je le dis chaque fois, que ce prophète s'appelle comme moi. Il s'appelle comme moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit à lui. Donc il est de mon devoir de faire la même action. Moindre des choses, que je fais la même action moi. Mes parents m'ont donné le nom de ce prophète-là. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala parle encore du rappel à ce même prophète. Il lui dit, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا chapitre 14 verset 5 بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ Nous avons envoyé Nabi Allah Moussa, Moïse, Moussa alayhi salam, sallallahu alayhi Muhammad wa alayhi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi Muhammad. Avec nos miracles, nos versets, nos signes. Quel est ton devoir, ya Moussa? Il est de ton devoir, ya Moussa, de faire sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière.
Mais Moussa, ta responsabilité ne s'arrête pas là. Tu dois faire le rappel. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Rappelle à ton peuple les journées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons parlé de ce sujet-là aujourd'hui, tout le temps, pendant les journées de vendredi. Mais aujourd'hui, en l'occurrence, nous sommes à 2 jours des journées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il est de notre devoir de se rappeler ces choses-là mutuellement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa, rappelle-les les journées. Est-ce que toutes les journées ne sont pas à Allah subhanahu wa ta'ala du 1er janvier au 31 décembre? Toutes les journées sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala en parle, que tout cela m'appartient du 1er janvier au 31 décembre. Et si nous utilisons le calendrier islamique, du 1er Muharram au 31, il n'y a pas dans l'islam. Au dernier, c'est le Hajj. Tout cela m'appartient. Le calendrier aussi m'appartient. Il dit dans Sourate Tawba, le chapitre 9 du Saint-Coran, verset 36. Il dit Inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahr. Le compte, le décompte des mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est autre que de 12. Le nombre des mois dans l'année est de 12. Depuis quand? Fi kitabillah. Yawma khalaqa as-samawati wal-ard. Depuis qu'il a créé les cieux et la terre. Et attention, tout nous appartient. Toutes les journées sont Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ajoute en disant Minha arba'atun hurum. Et parmi ces 12 mois qui sont fi kitabillah, il y en a 4 qui sont quoi? Sacré, rempli de vertu. Nous savons tous que les 4 dont parle ici Allah subhanahu wa ta'ala ne sont autres que le mois béni de Rajab, le mois béni de Shaban. Petite révision, selon le Muhammad ou le Muhammad. Ça y est, la révision est faite. Rajab, Dhilqad, Dhilhajj, Muharram. Si nous prenons dans l'autre sens, Muharram, Rajab, Dhilqad, Dhilhajj. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit à Moussa, wa dhakkirhum bi ayyamillah, rappelle à ton peuple les journées d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, parmi toutes les journées et les mois qui sont dans l'année entière, il y en a 4 qui sont sacrés. Chers frères, nous sommes à 2 jours du mois béni de Rajab. Dans 2 jours, nous allons rentrer dans le mois béni de Rajab. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa, rappelle à ton peuple. Nous aussi, nous devons prendre conscience. Quelle est la chose, quel est le mois que nous allons accueillir? Le mois pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le mot Hurum. C'est un mois sacré. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. N'est-il pas de notre devoir de profiter de ce mois-là? Inch'Allah, ce mois arrive dans 2 jours. Il y a beaucoup d'actions pendant le mois béni de Rajab. Il suffit d'aller voir Mufatih al-Jinan, les autres livres qui sont écrits par nos érudits, les hadiths que nous avons de nos prophètes et de nos imams. Mais aujourd'hui, je veux juste vous faire un rappel. Cela fait quelques années que nous mettons en œuvre ici à Mefil Zainab une action que nous a ordonné notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une action que nous faisons chaque vendredi du mois béni de Rajab. Mais avant de parler des actions que nous devons faire durant le mois béni de Rajab, voyez-vous, dans une autre narration, si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété le mois béni de Rajab comme Hurum sacré, le prophète en parle aussi. Il dit Inna shahra Rajab, shahrullah al-azim, la yuqaribuhu shahrun hurmatan wa fadlan. Certes, en vérité, le mois béni de Rajab est un des mois grandioses d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aucun autre mois ne peut se substituer ou ne peut s'égaler à ce mois-là. Au niveau sacré, il n'y a pas mieux que le mois béni de Rajab. Au niveau vertu, il n'y a pas mieux que le mois béni de Rajab.
Bien sûr, vous allez me dire, cher, le mois béni de Ramadan n'est-il pas mieux que le mois béni de Rajab? Bien sûr, la parole du prophète est bien sûr relative. C'est selon les circonstances. Et d'ailleurs, quand le verset est arrivé, le verset 36 du chapitre 9, sourate de Tawbah, quelqu'un est venu voir notre sixième imam, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Il a dit, Ibn Rasulillah, minha arba'atun hurum. N'y avait-il pas lieu d'en mettre cinq? Muharram, Rajab, Dhilqad, Dhilhajj, n'y avait-il pas lieu d'en mettre cinq? Allah subhanahu wa ta'ala pouvait dire, minha khamsatun hurum. Pourquoi que quatre? Pourquoi n'y a-t-il pas mention de quoi? Le mois béni de Ramadan. Un mois grandiose d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sixième imam a répondu, le mois béni de Ramadan est tout à fait autre chose que ces mois-là. Comme je dis souvent dans ma phrase, le mois béni de Ramadan, c'est autre que des autres. C'est un mois autre que des autres, il n'y a pas lieu de le mentionner ici, car quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du mois béni de Ramadan, il utilise le nom du mois béni. Rajab, le mot Rajab n'existe pas dans le Saint-Coran. Le mot Muharram, le mois de Muharram n'existe pas dans le Saint-Coran. Ou bien il y en a, cher, peut-être je fais erreur. Vous avez vu un verset où il y a un Rajab, Muharram. Le mois béni de Ramadan a été mentionné dans le chapitre 2, verset 185. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce mois béni en disant qu'il a révélé durant ce mois-là le Saint-Coran. Cher frère, le mois béni de Rajab nous arrive. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa, rappelle à ton peuple les journées bénies d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, parmi l'année, les 12 mois, il y en a 4 qui sont sacrés. Parmi ces 4, il y a le mois béni de Rajab. Combien de fois nous avons entendu ces narrations-là? Que devons-nous faire? Comme cela arrive dans 2 jours, on va vous donner des cadeaux aujourd'hui. Vendredi, c'est la journée des cadeaux. Le prophète n'a-t-il pas dit Al-Jum'ato, Hajjul, Masakim? Nous sommes tous une miskine auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes tous des mendiants devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce cadeau, ce n'est pas moi qui vous l'offre. C'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Toute petite action, c'est prendre conscience de l'importance de ce mois béni de Rajab. Le prophète dit, man adraka shahra Rajab. Celui qui atteint le mois béni de Rajab. Inch'Allah dans 2 jours. C'est bien ça, c'est dans 2 jours. Dimanche, Belira. Man adraka shahr al-rajab faghtasala fi awwali wa wasati wa akhiri kharaja min dhunubihi kama waladat ummu. Celui qui prend un bain rituel au premier du mois béni de Rajab, au milieu du mois béni de Rajab, à la fin du mois béni de Rajab, il sera lavé de tous ses péchés comme s'il était en train de naître du ventre de sa mère. Petite action. Et là, je me dis, oh là, trop facile l'islam, là. Dimanche soir, c'est premier Rajab. Donc, dimanche soir, la nuit tombe, ou lundi matin, je prends un bain, oh, c'est bon, je suis lavé. L'Oréal, parce que je le veux bien, tout est lavé. Après, je continue ma vie. Est-ce que c'est de cette manière-là que je dois comprendre, considérer cette narration du prophète? Quand il me dit, celui qui prendra un bain rituel, le premier, au milieu, à la fin, sera lavé de tous ses péchés. Pourquoi, après le lavage, on nous parle du lavement ou du lavage des péchés? Moi, je dis, c'est tout simple. Ce n'est pas seulement le lavage qui va me laver. Ce n'est pas seulement le bain rituel qui va me laver de mes péchés. Mais non, quand au début de ce mois-là, je prends juste conscience que je suis en train de rentrer dans le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et grâce au bain, cela va me prendre conscience que je dois faire des efforts. Je dois éviter les péchés.
je dois obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Car je suis dans une période qui est sacrée. Tous les vendredis, le prophète vous a ordonné des actions à faire. J'avais préparé un long hadith, vous voyez là, il est là, je l'ai par cœur, hein, très long. Mais je crois que j'aurai plus le temps, ça fait déjà 18 minutes. Mais je vais vous parler de l'action que nous allons commencer, Inch'Allah. Beaucoup de riwayat à propos du mois 22 de Rajab, beaucoup à gogo, des pages et des pages. On peut en parler pendant des heures et des heures. Moi, mon but, c'est le devoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à chacun d'entre nous. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَعْلِمْ. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Peut-être à partir de dimanche, nous allons oublier. On va faire un peu le main levée, hein, juste comme ça. Qui parmi vous ici, nous tous, je ne sais pas on est combien là, qui sont prêts à lever la main en disant, moi, avant que je vienne ce vendredi à Mahfil Zainab pour assister à la prière de vendredi, j'avais conscience que dans 2 jours c'est Rajab. On lève la main. 1, 2, 3, 4, 5, hein, on est vendredi, on triche pas. Bien. Là, sur 250 personnes, il n'y en a même pas 10 qui ont levé la main. C'est pas pour vous dire que je suis un bon musulman et que vous, vous ne l'êtes pas. Voilà pourquoi le rappel est important. Nous ne pensons pas avec la vie active que nous menons. Nous sommes tous occupés, matin, métro, boulot, dodo. Il n'y a même pas le temps de respirer. Et donc on oublie. Voilà pourquoi le rappel est important. Chers frères, le mois béni de Rajab arrive. Je peux vous en parler, je vous ai dit, pendant des heures et des heures. Je vais juste vous rappeler comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tout cela vous l'avez déjà hein, dans vos têtes. C'est juste un rappel. Ouvrez mon Fatul Jinan, il est là, il est dedans. À la vue du lune, de la lune du mois béni de Rajab, le prophète, je me demande, je me dis, Ya Rasulallah, tous les mois sont les mois d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah en parle. Inna iddat al-shuhur inda Allah idna asha shahra. Le compte des comptes des mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, fi kitabillah, est de 12. Comment se fait-il que quand vous voyez Rajab, vous demandez cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit, Allahumma, barik lana fi Rajab. Bien sûr, après, il y a Sha'ban, Muballighna Shahr Ramadan. Je parle juste de la première portion. Ya Allah, fais-nous profiter des bénédictions du mois béni de Rajab. Ya Allah, je te demande les bénédictions du mois béni de Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Ô combien ce mois doit-il important pour le prophète, qu'il lève les bras à la vue du Hilal de Rajab et il demande, Ya Allah, j'attends tes bénédictions. N'est-il pas pour nous un devoir de penser à cette directive de notre prophète? Si le prophète a besoin des bénédictions du mois béni de Rajab, nous, nous n'avons pas besoin. Lui, il était Habibullah. Moi, je suis rien, moindre que la poussière. Moi, je n'ai pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous ai dit, je laisse hein, la narration des fadails. La prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. Mais l'action à faire. Nous tous, nous aimons trop le paradis. On ne l'a jamais vu. Hein? Quelqu'un parmi vous a vu le paradis? Non. On n'a pas vu. On voudrait tous y aller. Là aussi, encore une facilité. Mais cette facilité ne veut pas dire que je le fais et c'est bon, le résultat sera là. Voilà pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Man qara'a mi'ata marra qul huwallahu ahad fi jum'atin min shahr Rajab kana yawmul qiyamah lahu yawmul qiyamah nurun yajdibuhu ila al-jannah. Celui qui lira ou récitera Qul huwallahu ahad 100 fois un vendredi du mois béni de Rajab, le jour de jugement, il aura une lanterne,
un phare qui va l'attirer vers le paradis. Cher frère, c'est pas facile, hein, 100 fois, voilà pourquoi nous l'avons instauré à ma fille Zaynab. Chaque vendredi du mois béni de Rajab, Inch'Allah, ça fait quelques années que nous l'appliquons. Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, après la prière, bien sûr, ceux qui ont le temps, ceux qui peuvent rester, nous allons appliquer cette narration. 100 fois, ensemble, nous allons lire Oulallahu Ahad. Tout cela, pas pour aller au paradis, vite, hein, TGV. Non, 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 non. C'est pour prendre conscience. Où suis-je? À quel moment de l'année suis-je? Je dois profiter de ce mois béni. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce mois est à moi. La narration, je laisse, mais dans cette narration-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la semaine prochaine, inshallah, nous allons en parler, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète nous le rapporte en disant, وَجَعَلْتُ هَذَا الشَّهَرْ حَبْلًا بَيْنِ وَبَيْنَ عِبَادِي فَمَنِ اتَّصَمَ بِهِ وَصَلَ إِلَيَّ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, moi, j'ai décrété le mois béni de Rajab comme un pont entre moi et mes serviteurs. Si je traduis bien le mot habl, une corde. Allah subhanahu wa ta'ala parle de la corde dans le Saint-Coran. Wa'tasamu bihablillah. Une chose. Il y a encore un autre verset du habl, cher, ou les autres? On peut dire pont. Là, là, nous fait signe. Hablilwarid. Dans le Coran, il y a le mot habl. Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai décrété le mois béni de Rajab, wa ja'altu hadha shahr hablan bayni wa bayna ibadi, faman i'tasama bihi wasala ilayya. Celui qui s'accroche à ce pont ou à cette corde, il va m'atteindre. Il va être proche de moi. J'ai dit, on n'a pas le temps. Car on doit détailler cette narration du prophète, dans lequel Allah dit Ana jalisu man jalasani wa ghafiru man istaghfarani wa hadaytu wa hadi man istahdani, et ainsi de suite. Tout cela fait partie des vertus du mois béni de Rajab. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous ayons inshallah wa ta'ala la force de profiter de ce mois béni de Rajab. Et petit devoir à la maison, c'est pour votre bien, c'est pour notre bien. Le mois béni de Rajab arrive, c'est un mois sacré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun effort à faire. Prendre Mufatul Jinan en main. Voilà, merci Achik Bay. Tous les actes et vertus du mois béni de Rajab sont mentionnés dans Mufatul Jinan dans la version française à partir de la page 485. Et quand j'en parle, j'ai envie de parler encore, je suis à 25 minutes. Problème. Le temps, chaque fois le temps. C'est pour ça que l'imam Ali al-Islam dit Al-waqtu kas-sayf in lam taqta'hu yaqta'. Le temps, c'est comme un épée. Si tu ne le coupes pas, c'est lui qui va te couper. C'est pour ça que je coupe le discours. Sinon, vous allez me couper moi. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.